Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Et moi, c'est Angela, Astuce Beauté et Maquillage, autrement dit, Mama Colonel. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Merci aux anciens et aux anciennes. Pour les gens qui ne me connaissent pas, sur cette chaîne, nous partageons des astuces de beauté avec les ingrédients naturels. On apprend soin de nous avec tout ce qui est naturel. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vais vous demander de vous abonner. Si vous aimez aussi bien prendre soin de vous avec les ingrédients naturels, franchement, vous êtes au bon endroit. Ok, alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo des soins de la peau. Oh, oh, oh. La vidéo des soins de la peau, avant que je commence, regardez mon teint. Voilà, j'ai pas 20 ans, j'ai pas 25 ans non plus, j'ai plus. Hein. Voilà. Franchement, pour les gens qui me connaissent bien, les gens qui regardaient mes anciennes vidéos, vous avez vu comment est-ce qu'était mon visage, comment est-ce qu'était ma peau du visage. Plein de taches, plein de cernes noires, plein de taches d'hyperpigmentation, plein de sébum. Voilà, j'ai réussi à me débarrasser de tout. Alors aujourd'hui, je suis venue partager ces secrets avec vous. C'était vraiment mon petit secret. Je ne voulais pas vous le donner, je ne voulais pas partager avec vous, mais comme je vous aime tellement... On est là pour s'entraider, voilà. Je me suis dit, ben, pourquoi j'ai cassé ce secret? Je dois partager aussi avec mes abonnés, ça peut aider d'autres personnes derrière l'écran. Alors, tu partages la vidéo. Tu partages, s'il te plaît, partage au maximum. Même si toi, tu n'as pas le visage qui a des taches, ou soit vous ne cherchez pas quelque chose pour nettoyer votre visage, que votre visage est bien, essaye de partager la vidéo, ça peut aider d'autres personnes derrière l'écran. Allez, c'est parti! Comme d'habitude, aujourd'hui, je suis venue partager avec vous un mélange qui est très efficace pour se débarrasser des taches d'hyperpigmentation. Donc, je peux dire toutes les taches brunes sur le visage, que ce soit les taches de boutons, que ce soit les taches d'hyperpigmentation au coin de l'œil, que ce soit le cerné noir, que ce soit, je ne sais pas moi quoi, le sébum ou tout. Ce mélange, ça nettoie bien le visage. Le problème est que vous devez l'utiliser continuellement. Continuez à l'utiliser, n'arrêtez pas. Ok, franchement, c'est pas aujourd'hui que vous allez utiliser, c'est pas aujourd'hui que vous allez avoir le bon résultat. Ça prend du temps parce que ce sont les ingrédients naturels, donc ça traite très bien. Mais le problème est que nous nous sommes pressés. Ce n'est pas les produits des Chinois, voilà, où il y a l'acide dedans que je vais mettre aujourd'hui, ça me brûle ou soit j'éclaircis aujourd'hui. Non. Moi, personnellement, pour traiter ma peau, j'ai pris du temps. Pour les gens qui me connaissent vraiment bien, j'avais plein de tâches. Il y a mes anciennes vidéos. Si vous regardez, vous allez dire, ah, est-ce que c'est elle? Oui, c'est moi. Pas de magie, pas d'hydroquinone. Je n'utilise pas les produits qui éclaircissent, voilà. Je n'utilise pas les savons qui éclaircissent. J'ai essayé plein de gants, plein de gants qui se vendent, même ici en France. Je n'ai pas trouvé la solution. Et voilà, comme je me suis lancée sur ma chaîne, je me suis dit, ben, pour aider les gens, il faut que moi aussi, je cherche à trouver aussi mon bonheur. Voici mon secret. Je partage ça avec vous aujourd'hui. Flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, chez nous, comment on appelle ça, les quakers. Franchement, c'est très efficace. Ça nettoie bien la peau, ça éclaircit. C'est pas éclairci pour faire les turcos, non. C'est éclairci de nettoyage. Ça nettoie la peau, ça uniformise la peau. Regardez ma peau, je répète encore pour la deuxième fois. Les gens disent que non. Tu répètes deux fois, trois fois la même chose. Voilà, je répète. Regardez bien ma peau. Je peux vous monter tout mon corps, hein. Voilà, je suis la femme de quelqu'un, il faut que je me protège. Ok, voilà. Trouvez-moi les flocons d'avoine. Partout dans les supermarchés. Même au Congo, Quaker et à la Ranango, partout. Trouve-moi les Quaker là. Cherche-moi un citron. N'importe quel citron. Citron jaune, citron vert, comme vous voulez. Trouve-moi le lait. Liquide. Maman, à ta nido, au tien à maille. À ta cobel, au tien à maille. Au tien à moi à mort, au sali. Sokoza nanini, au thé, aux huiles yaourt nature. Si vous n'avez pas le lait liquide, cherche un yaourt nature. Mais j'ai préférence le lait parce que ça va vraiment l'adoucir. Ça va rendre la pâte homogène. Ça va être très agréable pour appliquer et il y aura vraiment de l'efficacité. Ok, voilà. Alors c'est parti, je vous montre comment mélanger et comment l'appliquer comme d'habitude. J'ai mon petit mixeur. Donc vous allez mixer votre flocon d'avoine, votre quaker. Voilà. Moi, le mien, il est comme ça. Hein. Je l'ai acheté juste pour faire...
mes trucs. Si vous n'avez pas un mixeur, je sais pas. Je sais pas. Vous pouvez le... Attendez, je fais d'abord ça, après je vous dis. Donc, comme d'habitude, un petit bol, un petit récipient, ou soit un petit bocal qui a un couvercle. Voilà, moi je vais utiliser ça. Vous préparez un petit truc comme ça. Voici mon flocon d'avoine que je viens de mixer. Si vous n'avez pas un mixeur, vous pouvez mettre comme ça, mais ça, par contre, ça va prendre du temps pour que ça soit vraiment très très bien mou. Okay? Je vais prendre des cuillères à café de mon flocon d'avoine. Je vais mettre dans ce petit bol. Voilà. Si vous voulez faire beaucoup de mélange, par contre, ne les gardez pas longtemps parce que ça va pourrir après. Ok. J'ai pris juste ça parce que je vais utiliser ça tout de suite. Vous faites ça. Je vais prendre du coup le lait liquide. Je ne mesure pas. Voilà. Je ne mesure pas, je répète. Parce que je veux bien que ça... Que les flocons d'avoine soient vraiment trempés dans le lait. Parce que si je vous donne la quantité et que ça ne suffit pas, ça ne sert à rien du coup. J'ai trempé. Attendez, je vais faire descendre la caméra parce que là, vous ne voyez rien, je crois. Voilà. Vous avez vu que le flocon d'avoine est vraiment trempé dans le lait. Donc, c'est pour cela que je ne vous ai pas donné la quantité du lait. Vous mélangez bien, vous mélangez. En appuyant, voilà. Pour franchement que la pâte devienne homogène. Pas de grumeaux. Même s'il y aura des grumeaux, mais pas beaucoup en fait. Parce qu'on a besoin de l'amidon qui est dans le flocon d'avoine. Le mélange de l'amidon et de lait, c'est ça qui fait l'efficacité de ces mélanges en fait. Si vous voyez que ça commence à durcir et que le flocon d'avoine prend la place que le lait, vous rajoutez encore quelques gouttes de lait. Là, je vais rajouter une petite cuillère à café. Je mélange encore. Voilà, en ce moment-là, je vais rajouter des cuillères à soupe de jus de citron dedans. Et des cuillères à café, pardon, de jus de citron. Des petites cuillères. Hein. J'espère que vous avez compris. Voilà, je continue à mélanger. Voilà. Après avoir mélangé tout, je le laisse poser pendant 15 minutes avant d'appliquer. Il faut franchement que ça soit très 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 mou. Voilà. Bon, j'attends que mon mélange soit prêt pour que j'applique sur le visage. Du coup, j'ai une question à vous poser. Les gens là qui veulent vraiment changer leur couleur de peau, vous attendez à quoi sur ma chaîne? Je dis plusieurs fois dans mes vidéos. Dans cette chaîne, je partage des astuces de beauté pour nettoyage, pour essayer de traiter la peau. C'est pas pour éclaircir, de changer la couleur des peaux. Moi, j'ai pas ce genre de mélange qui éclaircit vraiment des trucs en fait. J'en ai pas. Moi, si vous avez un problème de taches,
venez me chercher. Hyperpigmentation, venez me chercher. Cerne, venez me chercher. Uniformiser le teint, venez me chercher. J'ai de l'huile, j'ai des mélanges qui pourra vraiment vous aider. Mais si vous voulez vraiment devenir mundele, blanc comme blanche, et pas chez moi, oh. Sur ma chaîne, il n'y a pas ça. Donc là, faut. Parce que j'ai vu des vidéos qui circulent sur Facebook, là, les gens qui se métamorphosent. Moi, je n'ai pas ce genre de mélange. Moi, c'est la peau noire, reste la peau noire, mais propre et belle. Tu es métisse, tu restes métisse, mais sans tache, sans bouton. Ok? Tu es franchement marron foncé, tu restes marron foncé, mais avec la peau qui brille, en fait. Moi, c'est ça que je fais sur ma chaîne. C'est pas des chocolilo, non. Chez moi, il n'y a pas de chocolilo. Alors, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et je mets les liens sur en haut là-bas. Allez visiter sur ma chaîne, vous allez voir qu'est-ce que je partage. Voilà, le mélange est prêt. Du coup, comme d'habitude, vous nettoyez votre visage. Vous l'essuyez. Et vous prenez le pinceau. Vous commencez à appliquer votre mélange. Mon visage est propre, ne vous inquiétez pas. Vous commencez là où vous avez des problèmes. Si là, vous commencez par là. Si sous le cerne, vous commencez sous le cerne. Regardez les mouvements, comment est-ce que j'ai... Vous prenez franchement votre temps d'appliquer ces mélanges tranquillement. Aujourd'hui, je suis dans ma cuisine, hein, je suis désolée. Comme je n'ai pas beaucoup de temps pour vous partager des vidéos, partout où je vais me retrouver, si j'ai 15 minutes, je profite. Même les taches d'hyperpigmentation qui sont au contour de lèvres. Donc, ce mélange est très important et très efficace pour ça. J'en ai pas parce que je prends soin de moi. Parce qu'on ne se brûle pas juste parce qu'on utilise les produits avec hydroquinone. On se brûle aussi avec le maquillage. Ok? Nous se brûlons, on se brûle avec le maquillage. Quand vous vous maquillez et vous ne vous démaquillez pas avant d'aller vous coucher, ça nous brûle aussi. Parce que dans le maquillage, il y a des produits qui sont aussi très efficaces que nous, on ne sait pas. Vous appliquez une bonne couche. Voilà. Vous avez vu comment c'est gluant? C'est gluant parce que le flocon d'avoine est bien mou. Je vais essayer de chercher, de fouiller, de trouver mes photos d'avant que j'avais des taches. Quand j'avais des taches, je vous posterai en fait. Parce que comme on a toujours l'habitude d'échanger les téléphones, dès que tu changes le téléphone, toutes les photos partent dans l'ancien téléphone. Donc j'ai perdu pas mal de photos ces derniers temps. C'est pour ça que je ne retrouve plus d'autres photos là. Je vais chercher sur Google si je peux les retrouver. Voilà, vous appliquez comme ça une bonne couche, vous attendez que ça pose maximum 25 minutes.
que ça sèche, que ça soit vraiment très dur sur votre visage. En ce moment-là, vous pouvez aller rincer. Mais là, du coup, moi, je vais vous laisser pour quelques minutes. Je profite de faire autre chose. J'attends que ça sèche. Après, je reviens vers vous. Donc, voilà. À tout à l'heure. J'ai oublié de préciser, ça nettoie, ça donne de l'éclat, ça élimine les teints, ça resserre les pores, ça nettoie tout ce qui est les taches d'hyperpigmentation. Franchement, ça fait son travail en profondeur. Ça fait son travail en profondeur. N'hésitez pas d'essayer, ça vous coûte rien, ça prend pas du temps. Voilà, vous n'allez pas perdre des millions pour acheter les flocons d'avoine et d'essayer et de tester. Tester, tester, tester. Si vous voyez que non, ça n'a pas marché, vous pouvez changer. Mais tant que vous n'avez pas encore testé, il y a d'autres personnes qui me posent la question. Qui a déjà testé? Qui a déjà essayé? Mais toi, tu peux essayer en premier. Donc, tu ne vas pas mourir en fait. C'est pour ton bien. C'est pour ta peau. C'est toi qui cherches la solution. Donc moi, je vous donne la solution. Ne venez pas encore me poser la question sur le commentaire. Qui a déjà testé? Tu peux tester et tu viens nous dire qu'est-ce que ça fait sur ton corps. Honnêtement, donc voilà. J'ai attendu 25 minutes. Là, c'est bon pour moi. Je dois aller rincer parce que je dois sortir. OK? Donc, vous faites ça. Vous attendez que ça sèche. Regarde, c'est vraiment séché. Du coup, ça tire un peu. Je vais aller rincer. J'arrive pour qu'on fasse... J'arrive. Ça y est, c'est fait. J'ai rincé mon visage avec de l'eau. Du coup, je vais essayer d'hydrater un tout petit peu avec de la vaseline parce que j'ai pas fait sortir mon huile. Voilà. Sinon, mon visage va être sec. Il faut que j'hydrate. Donc, après avoir fait ça, vous hydratez bien votre visage. Donc, pour le reste des mélanges, vous pouvez utiliser 3 fois. Vous faites des mélanges pour 3 jours et vous jetez, vous refaites encore d'autres mélanges. Il n'y a pas le délai. J'ai pas mis les délais parce que j'ai pris du temps. Ça prend du temps. Faites ça continuellement. Continuez à les faire. Continuez à les faire. Continuez. Oubliez que vous avez des taches sur le visage. Oubliez que vous avez des sébums, oubliez que vous avez des mamies, oubliez que vous avez... voilà, oubliez, mais continuez toujours à les faire si vous pouvez. Ça va vraiment vous aider. Et si vous trouvez que non, il y a un changement, n'hésitez pas à revenir vers moi. Dites-moi pour m'encourager. Laisse-moi un petit commentaire. Encourage-moi, ok? Et je vais laisser aussi mon numéro sur... sur la barre d'infos, soit je vais mettre donc quand je vais monter la vidéo, je laisse mon numéro là. Si vous avez besoin de me contacter en privé, contactez-moi. J'ai de l'huile qui peut vous aider aussi. J'ai l'huile de carottes fait maison, j'ai l'huile de curcuma fait maison, j'ai l'huile de clou de girofle fait maison. Mais ça s'est fait en privé. Si vous avez besoin de ça, n'hésitez pas à me contacter en privé. Enfin, on va en parler en privé. Je vais vous aider à vous renouveler. Votre peau, à réavoir confiance à vous comme avant. Vous pouvez sortir sans maquillage et tout et tout. Voilà, j'espère que je suis à la fin de la vidéo. Là, c'était Angela, astuce beauté et maquillage, autrement dit, Mama Colonel. Je suis là pour vous. Comme je vous ai dit, si j'ai le temps, je vais poster la vidéo. Si j'ai pas le temps, je ne paie pas. Mais si c'est pas que la vidéo des soins de la peau, si vous tombez sur mon autre vidéo, n'hésitez pas à aimer, à commenter, parce que tout ça, ce sont le travail. Ok? Donc voilà. Abonnez-vous sur mon Instagram. Là, je partage plus tout ce qui est look sur Instagram. Abonnez-vous sur mon Facebook, sur ma page Facebook. Là aussi, je partage tout ce qui est look et tout ce qui est mes arrivages et tout, ma nouvelle collection. J'ai fait des essayages et tout. C'est là où j'ai posté des courtes vidéos. Alors, on se dit bye à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous aime beaucoup.